arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Il y a un petit peu de Cybercoon, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le défi du Megadeck. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu, car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi. D'ailleurs, les gars, avant qu'on parte dans ce défi du Megadeck, n'hésitez pas à rejoindre mon clan, les gars. Il est ultra bien, genre vraiment, on essaie d'être actif et tout. Si vous venez dans mon Discord et vous êtes dans le clan, il y aura des rewards, absolument pas pour les trophées, parce que les trophées, je trouve ça un peu trop inégal, parce qu'il y a des mecs qui sont au niveau 10 et d'autres 14, donc ce sera en fonction de l'activité dans le chat du clan et dans le Discord, ainsi que les GDC, donc n'hésitez pas à venir. Et puis nous, on va se faire un petit deck aléatoire, Nous, on se fait un petit deck aléatoire pour le défi du méga deck, et c'est parti dans la première game. D'ailleurs, excusez-moi pour mon inactivité, mais j'avais des soucis, j'avais genre mon appli là avec lequel je record mon écran, il laguait de ouf. Genre, je sais pas il avait quoi, mais bref, je laguais de ouf, du coup, bah je devais attendre. Et on va partir avec une petite artificière dans le fond du terrain. C'est plaisir de reprendre les vidéos là, gars, là je vais reprendre une vidéo par jour normalement. Si tout se passe bien. Ok, l'artiste un peu débile. On va se mettre un petit canon. D'ailleurs, les gars, comme vous avez pas vu, non, du tout. Si vous avez vu, je suis à 6600 actuellement. Oh non, j'ai tiré du roi relou. Bientôt, la reprise du roi tout top 1000. Ça fait plaisir. Dites-moi si vous kiffez la série ou pas. Excusez-moi. Ok. On est un géant avec une machine. La machine qui va sûrement se faire déglinguer. Et acheter un zap, ok. On va utiliser fournir son map ainsi que des gobelins. Et une Tesla très très haute. Pour aller tuer tout ceci. La Tesla qui va faire son taf ici. On a une tour à bombe si il y a besoin. Ce que je peux vous conseiller, les gars, d'ailleurs, pour ce défi, c'est de prendre à peu près 4-5 tanks. De prendre 3-4 bâtiments et prendre 4-5 sorts. Est-ce que je peux vous... quand je dis tank, c'est win condition, évidemment. Ok. On va juste mettre les gardes ainsi qu'une bonne bûche ici. Hop là. La bonne bûche ici. Nickel. On va pouvoir aller forcer avec un mini PK, un esprit, une artie, un esprit, un fantôme. Voilà. La fondance qui a très bien géré tout ça, malheureusement pour moi. Et l'hydrague aussi. Mais c'est pas grave. Ok, parfait. Le rosque qui est posé ici. Voilà, je vous conseille évidemment de prendre un champion. Je pense que ça, c'est un peu la base. On va y mettre un petit giant ici pour aller protéger cette artificière. On aura la foudre. S'il met une T2. Il met pas de T2. Très bien. On va lui caler une bonne petite foudre alors. Hop. Parfait. Là, on va commencer à mettre de bons dommages sur la tour. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, on a des très très bons dommages. Et un coup l'artier, dommage. Je pense qu'on va se remettre une Tesla très très haute, puisque dans tous les cas, on a un canon puis une tour qui suit juste derrière. On part en IG tranquillement. On a clairement ce qu'il faut en défense. On aime que ça, en fait, hein, si vous voulez tout savoir. Ok, on va partir en petite machine ici tranquillement. Là, on va essayer de construire un petit push sympathique. Ok, bon, on n'a plus de machine. Va mettre des gardes, je sais pas trop quoi faire. En vrai, juste à cycler une foudre. Hein. Très long quand même à cycler une foudre. Hein. Frérot, ma foudre elle vient demain ou ça se passe comment là? Bon les gars, j'ai une foudre qui va venir dans 1000 ans. Ok, c'est ma foudre là. Compliqué de retenir hein, cette fois les cartes. On va pas se le cacher, très compliqué. Hein. Et la foudre, on va pas être à des 7 tours tranquillement. Hop, ça fait plaisir. D'ailleurs, les gars, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai fait 23 victoires au tour mondial. Je l'ai carrément choke, j'étais en 23-2. Et j'ai carrément de full choke. Allez, dégage. Wesh, maîtrise. J'ai fait carrément 23. C'est sans que c'est fini le premier. Waouh, 42 victoires.
Du coup, nous, on n'a pas fait de badge top 1000, mais là, vous voyez que bon, j'ai un petit peu d'erreur, j'étais à 7k8. Et niveau maîtrise, les gars, on va pas se le cacher. J'ai toute la maîtrise du jeu. Il me manque que regarder. Il me manque juste celle du maître mineur, car je peux pas la débloquer. Enfin, car j'ai pas la carte. Mais voilà. Ok, ma coïncidence défi du méga deck. Oh, 8000 pièces d'or. Il y en a combien? 2000. Wesh, mais les récompenses, elles sont inversées, c'est bizarre. Wesh. Bon, c'est pas grave. Allez, on part avec le même deck. On va se faire deux games avec deux. Genre, toutes les deux games, on reprend deck aléatoire. Ok, mettre les petits gobelins ici tranquillement. Ouais, c'est que les gardes, hein, je pense. Certes, il y a beaucoup joué, hein, parce qu'elle est sacrément chiante, parce qu'on n'a pas forcément les flèches, on n'a pas forcément le cycle. Mettre la machine. Oh, il met un PK. Ok, je pense que je peux partir à une gent opposée alors. Comme il a mis son PK. Ok, la machine qui va bien défendre. Ouais, nickel, on a la bonne foudre. Hop, parfait. Ah, excellent. Ah non, mais du coup, on a battu l'électro-sorcier. Ah non, pas excellent du coup. Vraiment pas excellent pour le coup. Ok, mettre une bonne bûche ici. Hop. Avec une mousquetaire ainsi qu'un petit esprit de feu ici pour tout ramener. Hop, parfait. Elle a le fantôme en plus, je pense. Qui peut être relou ici. C'est pas grave, on est au bâtiment, les gars. On est au Gucci. Ah, il a un sisme aussi. Ah, oui, d'accord. Là, c'est pas mal. Le fantôme qui gratte beaucoup. On est à portée de foot bûche. Ça, c'est pas mal. Parce que la foot fait 317. La bûche, il me semble, c'est 87. Ok, on va s'installer avec une petite fournaise ici tranquillement. L'article qui va aller gratter la magique, peut-être. Non. C'est un non. On va partir en géant format tranquillement. Ok. Je pense qu'on va laisser gratter l'archer. On va juste donner cet esprit électrique ici tranquillement. Hop, 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 hop. Voilà. On va mettre le mini PK en plus. Je vais laisser la mamie. Je me bats pas les couilles, j'avoue. Saute. Elle a pas sauté. C'est qu'il a son PK. Il a sa capa. Il a beaucoup de choses, mais c'est pas grave. On va les proposer une foudre ici tranquillement pour tout défendre. Dans le plus grand des calmes. Là les gars, les gobelins qui vous carrient un petit peu. Ok, parfait. L'esprit de feu qui va aller prendre la tour. Et là on n'a plus qu'à défendre. On va partir en électro-géant au fond du terrain. Petite mousquetaire ici, il m'insiste en plus. Le mec il attend vraiment d'avoir le combo cochon à chaque fois. Bon, il note, hein. On va faire comme ça, hein. Mettre une table en plus, je pense. Ça pas mal. Voilà, juste un spam, ce qu'il a un cheat. Et on va aller prendre cette première game. Enfin, cette deuxième game contre Bozo. Fait plaisir, hein. Vous voyez que les games sont assez faciles. On est sur une méga deck. Même avec un deck random, vous voyez que je le fais sans aucun souci. Hop. Parfait. Petite victoire des familles. Hop. Tac. Nickel. Allez, on va changer de deck. Ok, ça part. Tiens, c'est que ça nous fait énormément de défis en même temps. Et ça, c'est pas mal. Ok, on va roquette. Directement. Hop, ça part. On va laisser gratter le truc de feu, je m'en bats un peu les couilles, j'avoue. Ok, on va pas laisser gratter lui, parce que du coup, comme il y a une value derrière, et ben on va l'utiliser. Ok, cimetière en plus. On va aller mettre la horde. Je pense que je vais forcer avec un prince. Hop. On va évidemment utiliser la capa ici. Ok, la bonne roquette de sa part. Très très bonne roquette même de sa part. Il utilise pas sa capa. Ok, il utilise un métal sorcier alors. Ok, on va protéger ça, c'est qu'une charrette à canon. Ok, on va mettre un mineur en plus pour essayer d'aller tanker cette charrette à canon. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on propose. Il a un méga chevalier, très très bien. Je vais attendre de mettre les barbares. J'ai raté clairement les barbares. Oh merde. Ah! Pas prévu ça.
Ok, on va mettre le tranquillement sur mon squelette. Je te concentre pour pas rater mes timings. Hop, une petite mamie en plus. Genre deux. Il y a une pompe aussi. Ok, on va essayer d'aller boule de feu très vite ça. C'est pas mal. On va activer la capa, je pense. Hein. On va activer la capa ici pour être sûr de pouvoir l'utiliser. Ok, très bon saisie de sa part, rien à dire. On va mettre sur cette glace ici. On aura les barbares d'élite et Simon Zepi, on aura la roquette. Ok, on a la roquette. Plus tranquillement ses chauves-souris pour aller défoncer ce roi squelette. On a fait une très très bonne défense. Ok, ce vieux cimetière, on va mettre la horde. Parfait. On va mettre le sorcier ici pour continuer à défendre ses cabanes. Il a un gel, rien de trop dramatique, on va essayer de se gratter, c'est pas très très grave. Honnêtement. On va mettre le prince en plus. Là, il pourra pas avoir une bonne roquette. Eh ouais, il a raté le prince, forcément. Si vous touchez là, il doit rater le prince, il a pas le choix. Ok, on va mettre une petite charrette au pont ici, tranquillement. On va aller mettre un roi squelette au mid pour attaquer cette charrette. On va aller mettre une capa, on va pas les mettre de capa. Ok, on va aller mettre un petit mineur ici, tranquillou. Hop. On va aller mettre des barbares des topons et on va aller prendre cette win assez facilement contre Venom Killer. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tout se passe à la perfection dans cette vidéo et ça, c'est ce qu'on veut, ça fait plaisir. Ok. On va récupérer 4000 d'or assez tranquillement. Je vérifie si on n'a pas un petit badge qui spawn au cas où. Ok, on part dans cette 4ème game contre Tilapia de mal. Avec ce petit deck, ok, on va mettre une petite charretas. Hop. Oh, il a fait un petit charretas là. Ok, bon, tranquille, les dragons squelettes qui vont gérer ça. Là, ce que... Oh bah non, je vais mettre la horde, mais du coup, pas ouf. Voilà, pas ouf, du coup. Ok, parfait. Il m'a donné trop sorcier au pont. Il va très vite aller se faire gérer. Ok, on va sacrifier un sorcier électrique, je pense. On va aller mettre ça là, hop, au cas où. Au cas où. Non, ok, ça marchera pas. Frérot, l'arche magique, je te dérange pas, j'espère. Ok, on va vite aller mettre ça de Yerouille en plus. Qui peut être très chiant à gérer, hein. Ok, on va mettre le mineur directement sur la sorcière. Ok, parfait. Ça, c'est pas mal, là. En vrai, c'est pas mal. Ah. En vrai, c'est éclater sa mère, hein. Ah, attends, t'es chiant, là. Peut-être c'est un petit quelque chose, là. Le boule de feu, là, on va pas se prendre la tête. Hop. On peut se laisser gratter, c'est pas trop dramatique. Il y avait les chaussures qui ont fait une grosse value ici. Avec le petit roi squelette. Qui a marre, c'est mon sort. L'esprit de soin qui va les soigner tranquillement sur roi squelette. Parfait. Et qui va permettre de bien défendre, on va mettre un petit prince. On va laisser connecter le sapeur, c'est pas très grave. Là on a un prince qui va aller charger. Qui va aller défoncer sa voleuse et qui va aller mettre beaucoup de dommages. Qui a un chevalier d'or en panique. On va essayer de rater le chevalier d'or, je pense, on va partir en charrette au pont. Mais on va quand même défendre, en fait. On va quand même défendre. Le titan au squelette, ici, tranquillement. La charrette qui connecte, ça, c'est pas mal. On aura les barbares pour le méga chevalier. Hop. Voilà. Nickel. J'ai un peu de tension, là, mais c'est pas grave. Hop. On a la roquette, hein. La roquette fait combien? Je sais pas, je la joue pas la roquette. 446, évidemment, manque un HP. Ok, c'est bon. Pas besoin d'aller chercher ça. On va mettre le roi squelette ici pour pas m'emmerder. Ah. Belle arme squelette en tout cas. On va activer une capa même si c'est inutile. Ah, nice. Belle capa. Je vais aller roquette pré-shot s'il met quelque chose au cas où. Ok. On fait gaffe quand même, on va défendre, genre je pense qu'on va juste défendre, j'ai pas m'emmerder assez de la LPH. Parfait. En plus on préchote la princesse. Et on va aller prendre cette quatrième game facilement aussi, hein. Très facilement. Putain, la vidéo va être elle va être parfaite. Elle va faire 20 minutes à peu près. 20, 23. Ok, clean.
Ok, petit jeton, ça fait plaisir. On va aller changer de deck, on va reprendre un deck random. Ok, mais on peut pas jouer avec ça. En vrai, j'aimerais juste avoir un champion quand même. Voilà, nickel. Là, on a un champion, c'est ce qui me bat, c'est ce qu'il me faut. Je pense que c'est très important dans un deck. Hein. Ok, oh là, là on a un deck. Ok. Ok, ok. On commence par un petit fusil squelette. Je pense qu'on va mettre un mortier juste pour casser, pour détruire sa fournaise. Ok, il laisse gratter. Bonne nouvelle. Ok, on va aller mettre un des deux fond de map. On a cimetière poison avec une cabane de barbare. Frérot, on a un vrai deck là en fait. Je reconnais ça. On va mettre des barbares d'élite. On va les mettre le cimetière. On va les mettre le poison. En fait, on va mettre toute la couscoussière, hein. Ok, le bon poison là par contre. On peut aller rajouter un esprit de soin. Ok, on a aussi un Golex. Je sais pas ce qu'il fout là le Golex, mais voilà. On va quand même aller prendre cette tour et ça c'est cool. Ah, le cimetière qui peut être une fois. Si on n'a pas la bonne main de départ et pas la bonne rota, ça peut très vite être punitif, hein. Ok, on va mettre le bleu dragon aussi. On a un squelette. Qu'on va pouvoir directement mettre à cause du roi des squelettes. Oula, ok. On va aller mettre le roi squelette plus la petite armée de squelettes ici. Parfait. On a très bien défendu. Là, on a un très gros push. Là, on peut commencer à spam. On peut activer la capacité du roi squelette ici. Et là, c'est pas mal. Là, on va aller exploser Killer Pro. On va mettre un petit gomme d'élixir en plus. Et voilà, on va aller prendre cette petite free win assez tranquille. Le mec joue pas très très bien, donc bon. C'est plutôt cool. Ok, nickel. Et on va aller faire cette dernière game, les gars. C'est Tipar contre X-Plide. C'est un russe, très bien. Oh là, on a de la main de par là, par exemple. En vrai, on a, tu vois, si le mec il est genre par exemple un golem pour le map là, ou un genre même, je sais pas, quelque chose de chiant, genre ça par exemple, c'est chiant à faire, tu vois. Voilà, le mec me chie un ballon, je peux littéralement pas défendre, genre là, il me chie bûcheron ballon, j'ai plus de tour. On va aller pêcher comme ça, écoutez, hein. Ok, bon, ça, c'est obvious. Wesh, le frérot, il a un deck bait ou ça se passe comment là? Ok, on va le mettre sa petite D2 ici, tranquillou. Ok, la foreuse. On va recycler l'arty pour pouvoir recycler sur le roi squelette derrière. Ouais, je le ferai, m'a mis toutes les cartes bait du jeu ou ça se passe comment là? C'est quoi le délire là? C'est quoi le bail? Ouais, ah la belle boule de feu là. Ok, parfait, l'arty qui meurt. C'est pas mal, je pense que juste mettre un petit fuel squelette et on va mettre les barbares d'élite ici directement. Hop. Ah, le casse-couille. Ok, les barbares d'élite qui vont quand même bien défendre. On met un peu en PLS. La canne de barbare qui peut être en vrai qui est forte, hein. Qui est quand même forte. Moi, c'est une note que j'apprécie. Au moins. Ok, mon main ici, j'ai pas envie de le jouer vraiment pas pour le coup. Ah là, petit esprit ici pour si on peut éviter une côte sapeur, ça peut être pas mal. Ok, on a évité deux côtes sapeurs. On va pouvoir aller cimetière là, je pense. Avec un bon poison, ça peut être pas mal. Là, il peut pas trop défendre avec une arme squelette. Il a quand même mis une arme squelette, c'est un peu con lui. Hein. Ah, le vosseur, c'est pas chez tout le monde. Hein. Ok, on va aller le forcer avec un GR. Il a pas grand chose pour défendre normalement. La foreuse goblin, bah oui. Bah voyons. Il y a un verre comme ça. Ok, on a une bonne capa ici à aller chercher. Ok, on va essayer d'aller un peu tout spam. Les squelettes, on va mettre les squelettes. Les squelettes qui vont aller prendre la tour. C'est pas mal. C'est vraiment bien ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller mettre un petit mortier ici tranquillement. On va mettre un petit fusil squelette. Un petit gomme d'élixir pour le fun. Sinon je sais que j'ai win, donc bon. Ok, ça va tuer le gomme d'élixir, c'est pas mal. On va aller mettre le petit cabane ici. Qui peut être pas dégueu.
On va y mettre les dragons squelettes. On va tenter le placement de l'esprit, je sais pas si je vais y arriver. Hop. Et voilà, on va aller prendre cette dernière victoire contre Xpliz. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. On aura fait un full win. Bon, attends, c'est pas très compliqué. Vous allez me dire, même. Ça fait plaisir. Ok, petit joker, c'est pas mal. Et puis en tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu. C'était un vrai coup, ciao ciao.